Bienvenue sur la chaîne Insulza Group. Et pour notre visite des fermes, actuellement nous sommes dans une petite ferme. Et sur cette ferme, il fait un peu de tout. C'est comme une petite ferme intégrée. Nous avons les citronniers. Nous avons un peu de citronniers. Il fait un peu d'élevage également. Là-bas, vous avez, il y a des moutons. Et il a fait. Il a construit une petite maison pour la personne qui vit sur le terrain. Et ça, c'est la deuxième saison. On a commencé par faire ça. Je pense que c'est le soja. Ça, c'est pas l'haricot. Ça, c'est le soja. Yeah. Ça, c'est le soja. Donc, ça m'inspire d'envie de parler de cela encore une fois parce que l'agriculture. Tout le monde peut faire l'agriculture. Ton rang social ne t'empêche pas de faire l'agriculture. Ton rang social ne t'empêche pas de faire l'agriculture. Et quand on voit nos autorités, les grandes personnes, les gens importants de nos nations, de nos pays, qui se donnent à l'agriculture, pourquoi pas toi? Pourquoi tu ne peux pas t'adonner à l'agriculture? Tout le monde peut s'adonner à l'agriculture. C'est très important de le faire parce que ça nourrit son homme. Et puis, vous voyez, tout devient très cher actuellement. Et la dernière fois, je discutais avec un ami, on disait, avant, le bord de maïs était à 100 et quelques, 200 et autres. Actuellement, c'est autour de 700, 800 et autres. Elle ne va plus jamais retourner à 100, 200 et quelques. Ça va monter. Quand on le veut ou non, ça va monter. La vie devient chère de jour en jour. Ne pensez pas que demain sera mieux. Non, je le dis, c'est pas pour dire que je suis fataliste, non. Ce qui veut dire qu'on doit travailler, on doit travailler pour que le demain soit mieux pour nous. Parce que dans l'ensemble, ça sera dur. Et c'est au même moment, il y a des gens qui se font de l'argent avec cette dureté de la vie parce qu'ils ont su jouer avec les événements qui se passent actuellement. Ils ont su jouer. Et ils arrivent à tirer leur épingle du jeu. À toi aussi de prendre l'exemple sur les gens qui font la même chose et de changer, d'évoluer. Nous avons des citronniers ici. Eux n'ont même plus, pratiquement plus besoin d'entretien. Et on fait le soja ici. Il y a des manguiers là-bas. Il y a des poules qui l'élèvent dans la nature. Il y a des chèvres qui l'élèvent là-bas. Et le gars qui s'occupe de son exploitation est logé. Donc, bon. On peut le faire. C'est une question de volonté, c'est une question d'amour de la chose. Donc, il y a des gens qui disent, moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas l'amour de ça. Est-ce vraiment une question d'amour de la chose maintenant? Nous devons nous adonner à cela parce que ça nourrit son homme et ça va t'aider à réduire les dépenses. Et je le dis, ce que tu dépenses pour l'alimentation, si tu ne le fais pas, c'est l'argent que tu mets dans ta poche. C'est l'économie que tu te fais. C'est l'argent que tu mets dans ta poche. C'est une manière également d'épargner de l'argent. Quand la dépense pour la nourriture devient zéro dans ton budget, c'est l'argent que tu épargnes beaucoup. Donc, c'est très important de prendre l'exemple sur les gens qui font ce genre de choses et de vous inspirer de ce genre de choses. Tout le monde peut le faire. Il y a encore des terres en Afrique très moins chères. C'est une question de volonté, une question de mindset. Apprenons à changer notre manière de penser, à changer notre manière de travailler pour pouvoir réussir dans cette vie. Ça devient un challenge pour nous. La dernière fois, les Turcs aussi sont rentrés dans le jeu. Ils veulent venir acheter des terrains agricoles en Afrique pour faire la culture. Ils veulent aussi venir acheter des terrains agricoles. Après les Chinois, les Indiens, les Américains, les Européens, maintenant c'est les Turcs. Ils veulent venir également acheter des terrains chez nous pour l'agriculture. Et nous, on attend. On attend. Et quand il n'y aura plus rien, on va aller acheter des terrains chez les Chinois en Afrique. Ça, je ne veux même pas y penser. Franchement, je ne veux même pas y penser. Ça fait très mal de penser qu'un truc comme ça, des choses comme ça peuvent arriver chez nous. Donc, j'ai aimé un petit truc, pas très grand. Là où on exploite, le reste du terrain, il y a des terres creuses.
sur le reste du terrain. Mais là où on exploite, le gars exploite ici, c'est un petit truc très balèze, sans problème. Et puis c'est bien. Tu viens le week-end des fois, passer du temps ici, tu prends de l'air frais, tout est naturel. Tu vis à la pleine lune. On a besoin de ce genre de choses. Même quand tu vis en ville, on a besoin des espaces comme ça pour venir se recréer, pour venir réfléchir sur ta vie, sur ce qu'il faut faire. Donc, ce sont des coins comme ça. Chacun doit chercher à avoir un coin comme ça. Et on a la chance d'avoir encore des terrains comme ça, pas très loin de Lomé. C'est une question de volonté, une question de priorité, une question de planning. Si on veut, on peut le faire. Je nous encourage tous à investir massivement dans la culture et l'élevage. Faire des petites, on n'a pas besoin d'avoir de grandes exploitations. Avoir de dire qu'on a des champs, donc on peut le faire. Merci, j'espère que ça va inspirer quelqu'un à le faire.